les petits frérots, c'est TWS 2002. Aujourd'hui, on se retrouve 3 ans après au PN34. Enfin. Donc, je vous remontre les lieux parce que ça a pas mal changé. Aussi, le côté voie 1, d'où les vient, d'où viennent les trains en généralement de Creil. Et là, les trains qui vont vers Creil. Ou alors, de l'autre côté, qui viennent de Creil, qui vont généralement vers Pontoise. Donc je vais rester de ce côté là parce que si je vais de l'autre côté, bah, les virages là-bas et là-bas seront mal visibles. Je vais zoomer, attendez. Voilà. Oula, je crois qu'un train qui approche. Attendez, je vais reculer et je vais filmer les trains. Alors les amis, vous avez vu l'infra, ça doit être l'infra dernier saut de ville qui est passé. Il est passé vite et il a fait beaucoup de bruit. Hein. Alors quand le PN s'est déclenché sur la voie 2, j'ai eu tellement peur que j'ai sursauté presque. Alors ma caméra était en train de filmer, ma GoPro, mais elle a coupé à plusieurs reprises. Et il n'a pas enregistré les fichiers. Dommage, bah, le rail live est annulé du coup. Mais au moins, vous avez une première là sur la vidéo du PN34. Si vous me demandez pourquoi le PN34 est mon préféré, je vais vous raconter l'histoire. Ça a commencé en octobre 2015. Je suis venu ici, et ça c'était encore en bois, hein. C'était pas de l'asphalte encore. Ce panneau c'était pas celui-là encore. Ça, s'il n'y était pas. Je suis venu ici, j'ai regardé des deux côtés, je me suis dit, waouh, c'est un beau PN. J'ai pris des photos des deux côtés. De toute façon, j'ai une archive là-dessus. Et ouais. J'ai attendu 3 quarts d'heure. J'ai vu le PN se déclencher, j'ai regardé, il me disait voie 1. Le PN, les barrières étaient sur le point de se fermer. Et juste avant qu'elles se ferment, là-bas, je voyais le train, là-bas. Le train, c'était une BB 17000 avec une rib. Parce que oui, en 2015, il y avait encore des ribs. Mais en 2016, elles sont mortes malheureusement. Elles ont été remplacées par des Z50. Mais bon, l'important, c'est qu'on filme de beaux trains comme l'infra, comme tout à l'heure là. C'était super. On espère qu'on aura encore plus de beaux trains parce que là, le spot ne fait que de commencer. C'est le premier train qu'on a eu et c'est la première fois que j'ai un train autre que Transilien ou TER en tant que premier train dans un spot. C'est nickel. Merci Thomas M pour ton information. Je fais une dédicace à Thomas M et à UGV. UGV il a spoté une fois ici. Vous pouvez aller voir sa vidéo ici. Et Thomas M, il a spoté deux fois ici. Je crois qu'il va faire une troisième fois bientôt. Enfin, il les a fait, mais vous comprenez, il les met plus tard. Je crois que j'ai entendu la sonnerie du PN de l'autre PN. La sonnerie de l'autre PN. Donc, attendez, je vais m'éloigner et je vais commencer à filmer pas longtemps. Allez, à tout à l'heure.
Donc voilà les amis, fin de session. Alors on a eu deux trains spéciaux, c'est déjà excellent. En plus, ils sont tous les deux sur le PN 34, sur la voie 2, là où je suis. Et franchement, aujourd'hui c'est un excellent spot. Donc de si je me mets de ce côté, vous pouvez voir que la visite elle est moins bonne. Bon, merci d'avoir regardé. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, la commentez, partagez la vidéo, sinon vous allez faire écraser par un train. À plus les amis.